en sorte qu'un roi s'égare. Je suis votre roi. Il arrive, avec sa suite, son ministre administrateur, sa première dame, son bourreau, sa guillotine et sa fille unique, la princesse. Je suis terriblement terrible. Je suis un despote, je suis un tyran, perfide, rancunier et capricieux. Nous sommes délicats, tendres, sentimentaux. Je suis même prête à mourir pour aider la princesse. Mais de quoi dois-je perdre la vie? Pour les beaux yeux de la princesse? Je ne redeviendrai ours que lorsqu'une princesse m'aura aimé et embrassé. Vous faites partie de la suite du roi? Non. De celle de la princesse, alors? Et si j'étais moi-même la princesse? Comme Juliette et Roméo, il ne reste rien aux amants. Telle la belle Iseute et Tristan, le malheur atteint nos héros. Impossible baiser, amour n'est que misère. Faut-il y rejeter? Je veux vivre ma vie à jamais se taire. J'ai tué 99 ours et je guette le centième. Je l'aime. Et qui? La princesse. Votre élève. Mais elle s'est déguisée. Enfermez-moi, je vous en prie. Je n'ai qu'une seule envie. Aimé d'une belle princesse, il était beau, il était fort. Un tel amour les mène à la mort, l'ivresse, tourment, détresse. À nous. Ne restons pas là, ça ne se fait pas. Mais quelle bêtise, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Mais les sévères! Ah, bon, d'accord. De toute façon, je vais tout écouter par trou de la serrure.